font la sieste. Je pense qu'ils vont se réveiller entre temps, mais on ne sait pas. Hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo All Action. Bon sinon j'espère que tu as passé de très bonnes vacances. Je l'ai dit dans mon autre vidéo, mais si tu regardes pas mes autres vidéos et que tu regardes que ce genre de vidéo là, et bah je te repose la question. Voilà, parce que la politesse est primordiale, voyons. Oh. Et j'en profite en même temps pour te dire que si tu n'es pas au courant, et bah j'ai ouvert une troisième chaîne YouTube. Ouais, troisième. Parce que j'en ai une deuxième qui est sur les tutos en polymère. Et là j'en ai ouvert une troisième qui est dédiée à mes petits animaux. Ils font tellement de conneries que je trouvais ça drôle de les partager avec toi. Au lieu de garder que ça pour moi, autant partager avec tout le monde, non? Ils font tellement de conneries, ils sont tellement drôles. Bah vous savez ce que c'est les animaux, hein. C'est drôle les animaux, hein. Ils font que des conneries. J'aime bien. Du coup bah voilà, j'ai ouvert une chaîne pour eux. Et tous les liens sont en barre d'infos, bien évidemment. Voilà, donc comme je le dis souvent dans mes vidéos haul, action, bah souvent je trouve jamais rien de bien dans les magasins. Donc je repars souvent les mains vides. Et là, du coup j'ai 4 petits tickets de caisse seulement, mais ils sont grands, hein. Comparé à d'habitude, ils sont grands. Voilà, il n'y en a que 4, mais je vous jure qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai quand même un sac de rempli. Et il est très lourd. Plus 2-3 petits trucs qui ne rentraient pas dans le sac. Bref, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, oui, il y en a un nouveau qui a ouvert pas loin de chez moi. Enfin, pas loin. Une bonne grosse demi-heure quand même. Il est carrément à l'opposé de d'habitude. D'habitude, on fait nos courses dans ce coin-là. Et là, tu vois, il est tout là-bas au fond. Enfin bref, on s'en fout. On y a été une fois, à l'ouverture. Il est immense. Putain, les deux autres qu'on a à côté, ils paraissent tout petits. C'est hallucinant. Et du coup, voilà, là-bas, j'ai trouvé plus de choses que par là. Et il y en a un aussi, un ticket de caisse, qui date de mes vacances à Bordeaux. Des choses que je n'ai pas trouvées ici, en Normandie. Donc, voilà. Quand on était en vacances à Bordeaux, j'étais contente, il y avait un action, je me tombe. On va aller faire un petit tour quand même. Et j'ai trouvé plein de choses que je trouve pas ici. C'est chelou ça quand même. Pourtant je pensais que tous les magasins étaient les mêmes. Bah non. Faut croire que non. Bref, on s'en fiche. J'arrête de blablater et je passe tout de suite aux achats que j'ai réalisés chez Action. La plupart c'est des loisirs créatifs. Mais il y a quand même un peu de divers. Enfin des choses qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif. Et on va commencer par cela. J'ai fait un petit peu trop de bruit en déballant mon sac, du coup ça les a réveillés. Vous pouvez pas retourner faire la sieste? Hein? Vous étiez gentil. Tu retournes faire dodo mon bébé? Comme ça t'évites de parler en même temps que moi, hein? Allez, pff, oh dodo. Va faire ta petite sieste, t'es encore un bébé. Allez mon loulou, au dodo. Par là mon chou, mais t'étais malade. Alors je vais commencer par les trucs que j'ai pris pour mes filles. Et puis ça sera bien déjà. Hein. Donc pour commencer, je voulais pas trop le prendre ça au début parce que je me suis dit elles sont encore un peu petites. Et puis bon bah finalement bah, je les ai pris quand même. C'est du maquillage. Donc il y en a une qui a le rouge à lèvres et l'autre le fard à paupières. Et les deux palettes, enfin la palette était à 2,99€. Celle-là c'est pour les yeux. Bah, ça se voit qu'elle a commencé à l'utiliser. On voit bien. Et l'autre pour les rouges à lèvres. Ah, il y en a un qui est parti plus que l'autre. On se demande quelle est sa couleur préférée, dis donc. Ils sont en train de prendre un bain dans la fontaine à eau qu'on a pris pour eux. Ils font du bruit, hein. Mais ça fonctionne pas du tout, en tout cas pas sur ma fille. Une brosse anti-nœud, c'est une grosse connerie, franchement. Ça non, bah, moi j'aime, en tout cas personnellement je n'aime pas du tout. Bref, voilà, une petite brosse comme ça à 2,50€, 49, de 49 Betty Brush, non. Moi j'aime pas. 2,20€, il y en a une qui a pris une horloge avec le monde. Elle est à l'heure ou pas? Ah ouais. Comme ça tu sais à quelle heure je tourne la vidéo. Même si tu la verras pas tout de suite.
Voilà. Ensuite, pour la plus petite, la maîtresse a réclamé une gourde pour l'école parce qu'elle n'aime pas que les enfants boivent au robinet. Donc du coup, elle a réclamé soit une gourde, soit un gobelet. Tu vois, attends, la gourde était plus pratique quand même. Donc voilà, elle a pris, c'est elle qui a choisi celle-ci, avec un perroquet. C'est un cri du Gabon. Non, c'est un cacatoès. Enfin, je sais pas, il a des couleurs un peu space quand même. Voilà, et la gourde était à 1,79€. Ensuite, on a pris deux boîtes, l'autre elle est à l'intérieur. Hop. Il y en avait plusieurs, mais elles étaient toutes cassées. Il y a le petit fermoir et il n'y en a aucune qui fonctionne. Monsieur, il n'y en a même plus du tout. Les petits fermoirs sont complètement pétés, il faut que je lui dise que je les changerai. Bref, voilà, elle a une grande et une petite. Pour mettre... Il y en a une pour mettre ses bijoux et l'autre pour mettre ses élastiques, ses chouchous, ses barrettes et tout, tralala. Et c'est chiant de faire des vidéos avec eux, laisse tomber quoi. Ouais, la petite était à 2,59€ et la grosse à 3,49€. C'est super cher pour des boîtes qui sont complètement pétées, hein. Mais bon, elles étaient jolies. Elles existaient en blanc aussi, je crois. Mais en blanc, il n'y avait pas tous les... attends, qu'est-ce que c'était? Il y avait la grande, mais il n'y avait pas la petite ou l'inverse. Et puis moi, je voulais vraiment les deux, comme ça. Voilà. Ensuite, ils ont appelé ça cadre poster XL. Toujours... Là, c'est pour la plus grande, celle-ci, celui-ci. Il était à combien, tu dis? Ah bah, ils l'ont mouillé, les oiseaux, ils ont mis de l'eau dessus. Dans le petit con. Le grand poster, comme ça, était à 1,68€. Je sais pas si on rentre dans le cadre... Tu vois mieux là? Je ne prononcerai pas la phrase parce que l'anglais et moi ça fait deux. Et pareil, toujours pour la plus grande parce que la dernière fois, dans mon autre vidéo haul, j'en avais pris un pour la plus petite. Et la plus grande, elle en voulait un aussi. Alors c'est le monde à l'envers parce que la petite en a un qui fait un peu adulte. Et la plus grande, qui a quand même 13 ans, je le rappelle, en a pris un avec des petits chatons. Alors c'est très mignon, oui, mais pour 13 ans, je pensais qu'elle allait prendre d'autres choses. Voilà, enfin bref, c'est mignon quand même, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais bon, t'arrives à l'adolescence. Voilà quoi. Et bon, bref, ils appellent ça un sous-main. Pour 1,99€. Avec des petits chatons. Non, c'est bon, ça rentre dans le cadre, lui. Il est mignon quand même. Il y a une petite pochette pareil sur le côté là. Pour ranger ce que tu veux dedans. Donc pour les filles, je crois que c'était à peu près tout. Ouais, moi, pour moi, qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, et j'ai pris un cerceau qui fait de la lumière. J'ai dit à mes filles, je suis arrivée, si vous voyez un cerceau, vous me le prenez. Ouais, vous m'en prenez. Sauf qu'il fait de la lumière, j'en ai rien à foutre qu'il fasse de la lumière. Parce que je dois refaire un attrape-rêve géant pour une amie, pour son anniversaire. Donc voilà, moi j'en voulais un classique, puis finalement celui-là fait de la lumière. Pas bon faire longtemps. Non ça va, il y a une pile où on peut l'enlever. Un petit tournevis et puis basta, on n'en parle plus. Bref voilà, un nouveau cerceau géant pour faire un attrape-rêve. Sauf que quand je suis passée à la caisse et que j'ai vu le prix du cerceau, je... Oh ah oui quand même. Il fait de la lumière, c'est tout ce qu'il fait. Pourquoi c'est aussi cher? 6€ le cerceau, 5,69€. Presque 6€ ça quoi. Parce que monsieur fait de la lumière. Non mais allô quoi. C'est pas un peu abusé sérieux? Hallucinant. Enfin bref. Voilà. Bon, si on continue dans le divers, j'ai pris aussi des petits sacs cadeaux. Parce que je trouve ça mignon. Donc il y en a deux petits qui étaient à 25 centimes. C'est ça? Je vais tout tomber. C'est marqué où? Là. Oui, les deux petits étaient à 25 centimes. Les autres modèles, ça faisait un peu trop kitsch. J'aime bien quand c'est sobre. Et j'ai pris aussi un autre sac
pour la copine de ma fille, à ma fille, qui fête son anniversaire demain. Et donc, du coup, j'avais besoin d'un petit sac pour mettre son petit cadeau dedans. Voilà. Et celui-ci, il était à 55 centimes. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Happy birthday. Attention, Alexandre. Ensuite, on va passer aux petites choses pour la maison. La maison. J'ai trouvé des gobelets en plastique pour les enfants parce qu'à chaque fois qu'on fait des soirées, les enfants me cassent toujours mes verres. Alors je suis triste. Du coup, j'en ai pris en plastique pour les enfants qui passent au lave-vaisselle, donc c'est génial. Et c'était 99 centimes le lot de 6 verres. Donc j'en ai pris pour les garçons et pour les filles. Le cliché. Après, non. Parce que non, la dernière fois, il y a une de mes filles qui a pris le bleu. Donc comme quoi, hein. Alors, je vois mal les garçons prendre du rose. Mais tout est possible. Enfin, il n'y a rien de... Bref, laisse tomber. Donc bref, du coup, je me retrouve avec 12 petits gobelets en plastique. Qui sont très très pratiques. Il y a le jaune qui est en doublon. C'est tout. Les autres couleurs, elles sont seules. Et maintenant, j'aimerais bien trouver, c'est des assiettes pareilles. Mais la dernière fois, j'en ai pas trouvé. Bref, voilà, on s'en fiche. J'ai remplé une petite pastille... spatule en silicone pour faire mes gâteaux. J'adore faire des gâteaux en ce moment, j'en fais plein des gâteaux. Bref, ouais, puis la mienne a commencé à être abîmée. Elle se fait vieille, en même temps, petite mère. Du coup, voilà, j'en ai pris une comme ça, toute simple. Pour 79 centimes. Ensuite, avec mon chéri, on est tombé sur ces couverts-là et on a flashé, on a craqué dessus. Bah, c'est con parce que l'écriture, elle est dans ce sens-là. Des petits couverts tout assez simples, hein, mais on les a bien aimés. On aime bien. Je crois qu'on collectionne les couverts. On a je sais pas combien. Je jure ça, on n'est pas prêt d'en manquer. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pour moi, ça risque de péter. On verra bien. Il y en a 4 de chaque. 4 x 4, 16, oui, c'est ça. Pour 9,95€. 10€, on a 4, 4, 4, 4, 4. Et ils sont sympathiques. On a craqué dessus. Ils sont assez simples, hein, mais ils sont sympas. Voilà, on reste pas vraiment dans cet univers-là, mais on va dire que oui. J'ai repris un Febreze. C'est pas bien pour la planète, c'est pas du bio du tout. Je le sais, mais ça sent trop bon. Donc voilà, là, celui-là, c'est Paradis des Caraïbes. Quand je suis... ben là, celui-là, je l'ai trouvé à Bordeaux. Je l'ai pas trouvé en Normandie. Bon, en même temps, j'ai pas regardé. Mais bon, bref, quand on était en vacances à Bordeaux, on en avait besoin d'un parce que ça sentait le renfermé là où on était. Et c'est pas terrible. On avait beau aérer, ça changeait rien. Bref, voilà, pour 2,49€, un petit Febreze en plus. J'en ai plein de ça. J'adore. C'est pas bien, non, on part dans le high-tech, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est pareil, on l'a trouvé à Bordeaux. Mais je pense qu'il y en a ici en Normandie aussi, hein. J'ai pas fait attention, je suis pas allée dans ce rayon-là. Enfin si, mais non, j'ai regardé pas ça. Bref, on s'en fiche. On a pris une petite enceinte Bluetooth. Bluetooth. Et comment elle crash, putain, et ça envoie du... Allez, excellente, trop bien. Pour 15€, 4,95€, 14,95€, plutôt. Oh, parce que moi, j'y arrive plus, moi. Elle est excellente, elle est trop bien, elle change de couleur et tout, elle est trop mignonne. Elle passe partout. Elle est super, franchement, elle est géniale. Pour 15€, franchement, elle a fait le taf. On a été surpris du son, on pensait que ça allait être un son tout pourri et tout. Non, pas du tout. Elle est super. Et dans ce rayon-là, eh bien, j'ai pris des trucs pour mon téléphone. Des protège-écran. Voilà, qui étaient à 99 centimes, il y en a deux dedans. Donc ça, c'est cool. Et puis, une coque. Voilà. J'en avais pris une dans ma dernière vidéo, je sais pas si tu t'en souviens. Mais regarde la tronche qu'elle a. Et pour ça, on dit merci Tiki. Regarde comment il me l'a bouffé. Il me l'a tué. Il n'aime pas de bouffer mon téléphone. Il aime pas ça. Il aime pas les téléphones. Pas du tout. Du coup, bah, j'en ai repris une. Toute noire. Toute classique. Toute simple. C'est la même, mais en noir. Moi, je voulais juste une coque classique. Juste pour mettre derrière. Vu que j'avais pris le protège-écran, je me dis j'ai pas besoin d'un truc comme ça. Impossible d'en trouver pour le S9. Impossible. J'ai fait les trois magasins autour de moi. Impossible d'avoir juste l'arrière de la coque. C'est que des coques entières pour les S9. Alors c'est que en Normandie, peut-être que dans les autres villes c'est différent, mais chez moi c'est comme ça.
2 euros. 1,98. Tu vas à Carrefour, t'en as pour 40 euros de ça. C'est une connerie, non? Je sais plus. Mais je sais que c'était un prix exorbitant. Même ça, regarde les protège-écran. Là, c'est 99 centimes les deux. Tu vas à Carrefour, à Leclerc, tu payes ça à la peau du cul, quoi. Moi, je suis contente. Ça va faire comme celle-là. Il va me la rebouffer. Donc, je vais être obligée d'en changer encore une. Moi, si c'est que 2 euros, ça va, c'est pas méchant, mais bon. C'est quand même un peu emmerdant. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer au loisir créatif. Enfin! Alors, je sais pas si toi, tu mettrais ça dans le loisir créatif, mais moi, personnellement, oui, parce que ça me sert pour ma boutique. Qui est basée sur les loisirs créatifs. Il en manque une, parce que je m'en suis déjà remis d'une. C'est des petites boîtes, des box, pour envoyer des colis par la poste. Voilà. Parce que j'ai eu une très grosse commande et puis il me fallait une grosse boîte. Donc celle-là, c'était le format idéal. Pour 99 centimes, t'as deux jolies boîtes pour envoyer par la poste. Et ça, c'est super, franchement. Et celle-là, je les ai trouvées à Bordeaux. J'en ai pas trouvé ici en Normandie. Pourtant, je sais qu'ils en ont fait, hein. Pendant un moment, je les voyais. Et là, impossible de les revoir. Au moment où j'en avais besoin. Ça tombe bien, hein. Heureusement que j'avais pris les devants et que je les avais achetés à Bordeaux. Comme les enveloppes bulles, maintenant j'en vois plus. Et là je commence à être en rade, il me refaut des enveloppes bulles et Action ils n'en font plus. Ça me saoule, on trouve jamais rien ici. À Bordeaux j'ai trouvé tout ce que je voulais, ici je trouve rien. Ensuite je passe au ruban, j'adore les rubans. Et j'ai trouvé celui-ci, couleur menthe, comme par hasard, pour 89 centimes il y a 25 mètres. 25 c'est énorme. C'est super, je suis contente. Et pour le même prix, 89 centimes aussi, j'en ai trois. Un peu, on va dire un style ethnique, géométrique. Voilà, pareil dans les couleurs menthe, avec un peu de petits taupes. Taupes, marron, allez. Chipotons pas sur les mots. Chipotons pas. Donc du coup, voilà, il y a trois rubans qui font 6 mètres de long. C'est pour ça que c'est le même prix, parce qu'ils sont beaucoup plus courts, même s'il y en a 3. 3 fois 6, 18. Et je suis bonne en maths, hein, dis donc. Oui, c'est ça, attends, j'ai eu un doute. Je suis attends, ça se trouve, j'ai dit une grosse connerie. Et ensuite, toujours dans les rubans, et j'y avais pas fait attention, en fait, ceux-là, ils sont élastiques. Je pensais que c'était des rubans en organza, mais non. Ils sont élastiques. Mais c'est pas grave, ça va être utile quand même. Bref, du coup, il y en a 4 qui font combien? C'est pas marqué? 1 mètre. Ils font 1 mètre. Des rubans élastiques. Voilà, pour 79 centimes. Si on reste dans le tissu, eh bien j'ai trouvé ces 4 petits rouleaux-là. Des tissus en rouleaux, tout simplement. Qui font 50 centimètres. Ils sont pas très grands, mais ils sont sympas. Alors, à chaque fois, quand j'y allais, je voyais que du rose, du rose, du rouge. Putain, mais j'aime pas le rose, moi, ça me saoule. Et je suis tombée sur du bleu par hasard. Ouais. Encore plus avec un petit motif Liberty que j'aime beaucoup. Ah, je suis contente. Pour 94 centimes, j'ai 4 petits rouleaux. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le moment, mais je vais trouver une idée. Ensuite, alors là, c'est la première fois que je voyais ça, j'étais tellement heureuse. Il y en a un que j'ai trouvé à Bordeaux, et après, comme par hasard, je l'ai trouvé en Normandie, alors qu'avant, ça n'existait pas. Enfin, j'en voyais jamais. Les lots de washi tape. Il y en a un troisième qui me faisait de l'œil. Et c'est quand même 3 euros la boîte, hein, donc il faut peut-être pas exagérer non plus. Du coup, j'en ai pris deux. Un va être en rose. Pourquoi? J'en sais rien. Il y en a qui me plaisaient, il y en a qui étaient plutôt sympathiques. Il y en a un qui a un motif Burberry, j'adore le Burberry, moi. Et l'autre qui est... Bah, il y a la terre. Ouais, on va dire que c'est sur ce thème-là. Il y en a qui sont trop beaux. Oh, je kiffe. Ils sont trop beaux. Bref, il y en a 24 et ils font tous 3 mètres. Voilà, pour 3 euros, 2,99€. Je voudrais pas parler trop vite, mais mes oiseaux me laissent tranquille depuis tout à l'heure. Bien. Bref, l'article suivant, il s'agit de petits stickers que j'ai pris pour mon bullet journal. C'est marqué un cahier d'autocollant à 99 centimes. Il n'y avait que... Ouais, il y avait que ce modèle-là quand j'y suis allée. Après, je sais pas, hein, parce que comme je l'ai dit, moi chez moi, il n'y a jamais rien. Donc, là, j'ai trouvé que celui-là, comme par hasard, sorti de nulle part. Donc j'étais contente. Plein de petits stickers qui sont sympathiques. Je l'ai déjà dit, j'aime bien le mot sympathique. Ensuite, là, c'est pareil, je suis tombée dessus par hasard. Oh, trop bien, ça. Alors, il y avait plusieurs modèles. Et moi, bah, j'ai pris la fée clochette. Il y avait Mickey et Minnie.
Winnie l'ourson et les princesses. Je lui dis, ça fait bébé? Non, moi je veux la fée Clochette, ça fait pas bébé. Non. Donc voilà, il y en a quatre. Il y a quatre petites fées Clochettes. Et c'est juste des petits carnets, hein, il n'y a rien. Attends. C'est juste un petit carnet tout simple. Et dedans, et ben, y a la fée Clochette qui est dessus aussi. C'est pas mignon ça? Zoom partout, hein, c'est tous les mêmes. Par rapport au dessin qu'il y a devant. Voilà. J'ai 4 petits carnets pour 98 centimes. Ça peut paraître être de la bêtise, mais moi je suis contente. Voilà. Ensuite, je suis retombée sur ça et je suis trop contente. Ils en ont sorti des nouveaux. Parce que ceux qu'il y avait avant, je les aimais pas du tout. J'aimais pas du tout les modèles. Et là, j'ai craqué. J'en ai pris 4. Les petits pochoirs, les stencils. J'adore. Bref, du coup, il y en a un dans un style un peu baroque, si on peut dire ça comme ça. Avec ces modèles-là. Ensuite, j'en ai un autre avec des animaux dans un style géométrique. Il est trop beau. J'adore. Il est trop joli. Ensuite, j'en ai un avec des motifs floraux. On va dire ça comme ça. Et ensuite, il y a celui-ci. Alors là, quand je suis tombée là, je me suis dit, quoi ces petits cœurs là? C'est quoi ce truc de kitsch? J'aime pas ça, moi, les petits cœurs. Mais quand j'ai regardé derrière, eh ben, il y en avait qui étaient plutôt sympathiques. Et surtout celui avec les petites feuilles. Je l'aime bien. Lui-là. Lui, j'aime beaucoup, lui. Bref, du coup, j'ai pris ça principalement pour customiser une boîte à mouchoirs que ma maman m'a donnée. Elle me fait, tiens, je te donne une vieille boîte à mouchoirs, tu me la customises. Ok. Et quand je suis tombée sur ça, l'idée m'est venue direct. Oh, je sais comment je vais faire. Alors, je sais pas si le temps que je fasse le montage vidéo, j'aurais fait ma boîte à mouchoirs. Et peut-être que dans ce cas-là, je pourrais partager une photo avec toi, là. Là, dans cette vidéo-là, je vais la... Pouf, je vais te la balancer comme ça. Ou dans les pires des cas, et ben, elle sera sur mon compte Instagram, ça c'est sûr. Voilà. Et on finit avec le dernier. Je crois que j'ai fait tout le tour après. Moi, il me semble que oui, j'ai fait tout le tour. J'en ai partout. Il y en a partout, est-ce quoi? J'ai trouvé ça pareil à Bordeaux, ici, impossible d'en trouver en Normandie. Une palette d'aquarelles dans les couleurs, comment qu'ils appellent ça? Métallique. Peinture aquarelle métallique. Parfait pour la calligraphie, les illustrations de lettrage au pinceau et plus encore. Appliquer un pinceau avec de l'eau pour activer la peinture. Voilà. Des jolies petites couleurs métalliques. Pour 1,29€. C'est joli, hein? J'ai même pas encore ouvert. Ah oh, merde. D'accord. Ah, je pensais pas. Oh, c'est mignon. Je pensais que c'était en un seul bloc, mais non, c'est des petits... Merde, comment t'appelles ça? Il y a un nom. Les petits compartiments là. Des godets. C'est ça? C'est des godets, non? Un truc dans le genre, je sais plus. Bref, du coup, voilà, c'est des petits trucs que... Dans une petite boîte. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ils sont jolis les couleurs. Hein. Après, je sais pas sur papier si ça va donner pareil, parce que bon, voilà, c'est de la peinture de chez Action. Hein. Faut pas se leurrer, mais en tout cas, c'est joli. J'aime bien. Donc, voilà. Bref, voilà, j'en ai fini. J'ai fait tout le tour. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, à peu près. Ouais, plus ou moins. Donc du coup, voilà. Ça y est, on arrive. Et bah, du coup, bah, je te dis au mois prochain, hein, parce que oui, finalement, je me rends compte qu'il y a une vidéo par mois concernant les hauls actions. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, s'il y a que ces vidéos-là qui t'intéressent, et bah, je te dis au mois prochain. Voilà, mais dans tous les cas, bah, j'espère quand même que cette toute petite vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas à me soutenir en me disant que toi aussi, dans ton action, tu trouves jamais rien. Parce que franchement, c'est rageant. Quand tu vois les vidéos chez les autres, ils trouvent plein de choses. Quand tu vas dans le tien, bah, y a rien. Putain, c'est quoi cette arnaque là? C'est nul. C'est déprimant. Alors, rassure-moi, dis-moi que je suis pas toute seule.
Bon bref, je pars dans des délires, laisse tomber. Du coup, je vais couper quoi à cette vidéo? Je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouverai dans une prochaine vidéo.